Yo, bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo quotidienne sur GGVio. Je vous rappelle trois mini reviews par semaine, plus une review un peu plus sympa le samedi où j'achète des produits sur AliExpress ou sur internet. On les teste, on regarde un petit peu, est-ce que c'est une douille ou est-ce que c'est pas une douille Voilà. Alors même si ça voudrait me, me prouver en commentaire que j'y connais rien en électricité, et en électronique, que j'ai tout appris dans Pif Gadget. Déjà en plus c'était bien Pif Gadget et que je suis trop con pour pouvoir mettre des que je suis même trop con pour pouvoir mettre des piles à l'endroit dans une télécommande, je n'aurai qu'une réponse à vous dire. Déjà, c'est arrivé qu'une seule fois, en plus c'était vraiment écrit en petit. Hein. Voilà. <laughs> mais voilà, allez, parce que pour l'une douille en photo apparemment c'est bien, mais en vidéo c'est mieux. Débridez-vous, puis on va regarder un petit peu ce chargeur, allume cigare, 120 watts. Douille ou pas douille Aujourd'hui, aujourd on va s'atteler à un produit. Alors, c'est un chargeur à l'hume cigare. Il avait plusieurs choses qui étaient plutôt intéressantes. Un, son prix 3,25€. Normalement, ça rentre dans ton budget. Deux, on parlera de son design. Voyez, il est un peu transparent. Alors, moi, j'ai mis euh, Nautilus, 20 euh, sous les mers et tout. Voilà, je sais que vous êtes tous vieux, donc non, vous avez au moins la ref. Mais on m'a plutôt dit oui, c'est plutôt euh, néo-rétro, truc machin. Voilà, transparent. Alors, première chose, c'est un chargeur à l'hume cigare. Ok. Ensuite, il y a une petite. Euh, attache ici qui lui donne vraiment un petit look euh, très très sympathique et ensuite il y a quand même deux prises usb dont une prise usb et une prise usb type c oh, je me suis dit ouais quand même après bon sur la fiche produit quand j'ai vu marquer 120 watts je me suis dit waouh ouais, 120 watts sur le chargeur à alors j'y connais rien mais bon encore une fois on est là pour euh, voyez euh, on est là pour apprendre si je dis des bêtises ou que voilà puis le gadget quand même c'était il y a longtemps tu vois et que bah, n'hésitez pas, dans la bienveillance, mettre un commentaire en disant « Non, là, tu t'es trompé, il faut plutôt dire ça. » Toi la dernière fois, moi, j'ai dit « Ouais, mais un transfo, en fait, c'est un transfo qui convertit le 220 en 12 volts et après, on a un pont dur de converti. » Malheureux Qu'est-ce que j'avais pas dit c'est pas ça, un transfo. C'est plutôt une alimentation à un découpage, un compétent C'est ça. C'est la faute à Pif Gadget. Bon, celui-là, première chose, ce qu'on peut voir, c'est 120 watts. Alors 120 watts, le problème c'est que les chargeurs cigare c'est du 12 volts. Donc 12 volts, ça voudrait dire qu'on enquille du 10 ampères. P égale 8, puissance, tension fois intensité. Si la tension fait 12 volts parce que c'est ta batterie en continu. Et que tu dois avoir 120 volts, tu as 12 et tu 120 en total, tu n'as pas besoin de faire un produit en croix. Il hein. faut que tu aies 10 ampères. 10 ampères en continu, c'est déjà un cap qui est quand même relativement sérieux. Faut hein <laughs> pas que ça brûle. Donc, est-ce que dans ta voiture, tu as déjà démonté la même cigare et vu la taille du câble qui est quand même plutôt ridicule pour bon, pense pas qu'il fasse 120 hein, voilà Donc, j'ai quand même fait les essais sur la batterie EcoFlow, parce que la batterie EcoFlow est quand même capable de sortir sur la même cigare 60 voire 100W, toi, parce que bon, c'est quand même sur une batterie. Bon, et les choses sont pas mal. Le produit, il est joli les normes, bien évidemment, 120 watts, fast charging protocole smart chip, et oui, le processeur, y est. on voit bien qu'il y a du processeur intelligent dedans. En plus, là, il est transparent, c'est-à-dire que bon, ils peuvent pas non plus nous mitonner, trans plus, voilà. Euh, multi protection, mais bon, not note easy to get, voilà, bon, tout ça bien, bien. La petite dragon, ça c'est bien. 80% de charge en 30 minutes sur tous tes devices, mais oui, 120 watts, mon ami. Voilà. Alors, le premier truc qui vous, vous ferait un petit peu tiquer, c'est au niveau des puissances, USB. 100 watts, 100 watts en USB. Pas mal. Je crois que moi j'ai toujours cru que. Bah euh, gadget. je cru que le problème de l'USB, c'était la puissance. On pouvait pas sortir beaucoup de puissance. Donc du coup, ils ont inventé l'USB type C, où là on peut envoyer de la puissance. Voilà. Donc, en plus, je crois qu'ils ont switché. Regardez bien, au départ, euh, USB 20 volts fois 5 ampères 100 watts. Voilà, comme mon MacBook bien et usb type c là on tombe jusque 5 volts et 3 ampères voilà donc 15 watts 15 watts pour le c pour le deuxième 100 watts pour le premier mais tu dis mais c'est pas possible c'est plutôt l'usb qui doit être sur 5 x 3 soit 15 15 15 watts et plutôt l'usb type peut pas faire 100 watts mais les deux sont affichés 100 watts voilà tu sens déjà déjà tu te dis c'est pas clair, ton histoire. Ils ont inversé les chiffres. Ça va pas. Ça correspond pas. On peut pas sortir 100 sans... Ouais, on peut pas sortir 100 watts en USB. C'est maximum, c'est 15 watts. D'où le problème de l'USB. Bon, voilà. Donc, bon. il c'est ça. Euh, déjà, tu t'es dit, ça sort un peu la douille. Bon, après, évidemment, ils vont te vanter que le chargeur, il est incroyable et tout. Je pense que le meilleur euh, truc, c'était de le brancher. Alors, je l'ai branché. Donc, du coup, pas dans la bagnole puisque euh, je tiens à ma bagnole. Voilà, pas envie de tout cramer. Euh, ah, imaginons que le truc, il soit vraiment capable de demander un courant de fou et que derrière il n'y ait pas, dans la bagnole il n'y ait pas assez de protection. 10 ans perdant le câble. waouh Bon, je me suis dit, on va quand même euh, le brancher. Donc le branche sur la batterie Ecoflow. Là du coup, la batterie EcoFlow, comme c'est prévu, ça sort bien du continu sur la lume cigare. Donc si lui vraiment il pouvait enquiller, machin. Donc premier truc, j'ai branché mon iPhone. Bon, bah, malgré le iPhone aussi miséreux soit-il, j'ai pas pu tirer plus de 9 watts. Tant pis, c'est un iPhone, c'est de la merdasse au niveau de la charge avec le lighting. C'est pour ça que les, les iPhones n'ont jamais chargé vite, puisque PivGadget Gadget, ils ont dit, le iPhone ne pourra jamais charger rapidement à cause du lighting qui est limité en puissance. D'où l'intérêt aussi peut-être pour eux de passer en USB type C. C'est ce qu'a dit PivGadget. Gadget. Hein. Et puis Gadget, ouais. <laughs> Bon, euh, qu'est-ce que je... oh, Trêve de plaisanterie. Bon, ensuite, j'aurais branché mon Samsung qui, lui, normalement, peut charger au moins 25 watts. Là, j'ai réussi à tirer 9 watts. Encore une fois. Alors, sur les deux prises, hein, j'ai mis un coup sur l'USB. 100 watts, alors, hein, USB. Voilà. Et un coup sur l'USB type C. Je me suis dit, OK, ah oui, ils se sont trompés. Il se fait tromper. Trompage. Euh, les deux pareils. Donc, après, je me suis dit, on nous promet quand même 20 volts x 5 ampères. Donc 100 watts sur la prise, une des deux prises. Donc on va essayer les deux. Donc je me suis dit, bon, mon MacBook Air, lui, il est à 20 fois 3 ampères pour une charge maximale. Voilà. Donc 20 fois 3 ampères pour tirer 60 watts. Je me suis dit, il peut... Le chargeur pouvant tirer 20 x 5 maximum. Si je demande 20 x 3, c'est bien. Donc là, pareil, j'ai branché sur la prise USB avec mon wattmètre que je vous présenterai ultérieurement et tout. Bon, bah ben là, pareil, 9 watts. Hein. Voilà, donc, on dit, parce qu'il faut utiliser les câbles, j'ai tout ça, les câbles tout. Donc, j'ai essayé qu'un câble de psychopathe sur la prise USB Type C vers directement mon MacBook en USB Type C, et là, on est arrivé à une pointe de 9 watts. Voilà. Donc, quand tu testes trois produits sur les deux prises et que tu n'arrives jamais à avoir plus que 9 watts, tu te dis, soit je suis vraiment une tanche. Il faut rentrer dans l'équation, quand même, hein. Soit, le produit n'est pas capable, techniquement, de sortir plus que 9 watts, puisque, bah déjà, on a 12 volts en entrée, et ça, es, c'est indéniable. Ensuite, l'électronique dedans, la puissance, la qualité de fabrication n'a pas l'air incroyable, et je pense pas que le truc soit magique, et qu'il vous transforme à un chargeur allume-cigare qui vous donnera 20 watts, et que lui, bim, badaboum, des 20 watts, il t'en fait 120. Après, peut-être que vous viendrez m'expliquer en commentaire comment on fait. Lui, il fait pas. <laughs> Donc trois devices sur les deux prises avec tous les câbles que j'ai pu essayer. Pourtant, j'ai une gros câble de 100 watts que les marques m'ont envoyé et tout. Je suis équipé hein, quand même en câble et tout. Donc euh, bon, pas plus rien réno... Donc bon, est-ce que c'est une douille Non, parce que ça charge à 9 watts. Donc quelque part, ça fonctionne. On va dire que pour euh, 3,25€ euros, tu as quand même un joli chargeur à cigare qui, du coup, une fois qu'il est rentré dans la prise, et eh ben tu ne le vois plus. Voilà. Après, tu peux te débattre à essayer de sortir le truc là, tu te rendras vite compte que c'est pas si facile que ça. Mais voilà, bon, il est joli, il a de la gueule et il charge à 9 watts. Après, est-ce que c'est une douille par rapport à ce qu'il nous est promis Là, <laughs> c'est pas négociable. Là, oui, bien sûr. Là, on forcément, il faut que... ah, 9 minutes pour dire faire ça, c'est nul. Presque, voilà, c'est ça. <laughs> 9 minutes. Euh, donc, est-ce que c'est de la douille par rapport à ce qui nous est vendu Bien sûr. Est-ce que ça fonctionne quand même un peu Oui. Est-ce que le truc ne peut pas nous donner plus que 9 watts Puisque après, il va cramer et donc, du coup, il préfère nous donner que 9 watts. Je pense qu'on est plus proche de ça que euh, des mensonges qu'ils nous ont fournis. Donc, 80% de douille. 80% de douille, parce qu'il y a quand même 20% du chargeur qui fonctionne. Et ça, ça fait plaisir. Comme toujours, comme tous les pouces sont permis. T'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas mis la vidéo, tu mets un pouce en bas. T'oublies pas de t'abonner, t'oublies pas de mettre un commentaire pour m'expliquer un peu la vie comme quoi, pif gadget. C'était dans les années 2000. On est en 2024. Et que j'ai peut-être oublié tout ce que j'ai lu. C'est possible. Ou que ça a évolué, ou que ça a changé et tout. Et qu'en fait, euh, voilà, je suis un gros incompétent, mais je suis drôle. Donc ça compense. Et vous pouvez mettre un commentaire bienveillant. Bien, comme ça, la prochaine, le prochain chargeur, tu vois, ou là, je m'avancerai pas à dire que c'est un transfo avec un pont de diode. Non, je dirais, sur une découpage. Bien sûr, ça paraît tellement évident. Mais par contre, elle ne peut pas délivrer plus qu'un ampère. Parce qu'après, au-dessus de ça, comme c'est de la merde, ça s'écroule. Voilà, bon, on en parlera dans la prochaine vidéo. Et C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se rend rendez-vous demain sur vidéo puisque c'est tous les jours. T'abonnes, tu commentaires et tout. Tu me dis ce que tu penses de ce chargeur. Ah, pour 3 balles, ça va. Voilà. Si tu sais, au moins tu sais ce qui t'attend.